Bonjour à tous, je m'appelle Chacha et je vous souhaite la bienvenue dans J'irai carver vos montagnes. Bienvenue à tous au Val d'Aise. On n'est pas synchro. Hein. On vous attend. Faites une photo, c'est mieux, monsieur. Hein. C'est le grand jour, hein, on va se lancer sur les pistes à ski. Moi je vais faire des raquettes et ma femme et ma fille vont faire du ski sur ce magnifique domaine enneigé. C'est une chance, c'est pas tout le temps comme ça. Donc on va bien profiter de la journée et je vois qu'on n'est pas très nombreux, ça tombe bien. Bon, bah, écoute, on va peut-être passer une bonne petite journée sur le secteur, sur le domaine skiable de Val d'Aise. Ouais, ça va être sympa. Bah, vous êtes en ski? Ouais, nous on fait du ski, notre camarade fait plus un petit peu de snow. Ok, là, super. C'est une première, on va visiter ce petit domaine et en espérant qu'on passe une bonne petite journée. Alors je crois que vous avez fait pas mal de kilomètres pour venir découvrir le domaine. Alors nous on est plus du côté de la Bretagne, donc on est loin de la maison. Et on n'a pas vraiment ce genre de paysage, donc on va profiter pleinement de ce secteur. Ah, c'est ça. Je coupe bien ainsi en fait pour le taf, et puis du coup c'est notre journée de repos, donc on va profiter un peu de tout ça, quoi. Thank you.
Alors ça y est, je viens de faire une première descente à Valdez. Joli petit domaine. Familiale, Valdez, à Bastilica, à 3/4 d'heure, 1 heure et 1 heure d'Ajaccio. On habite Ajaccio et on aime beaucoup venir rider ici, même si on est quand même aussi adepte des grands domaines comme les Trois Vallées, on essaie d'aller chaque année. Mais ici, bon, c'est quand même assez extraordinaire et je crois qu'il n'y a pas beaucoup d'endroits dans le monde où on peut rider face à la mer, quoi. Face au golfe d'Ajaccio, c'est magnifique. On a 1600 ou 1600 mètres d'altitude, je ne sais pas de bêtises. Il y a un bel enneigement. Hein. Ouais, cette année, ouais. Oui. On a de la chance. Il faudrait qu'il reneige un petit peu quand même. Hein. Je crois que ça va revenir, ouais, il y a un petit peu de neige annoncée. Malheureusement, ce n'est pas tous les ans. Il y a 6 pistes, c'est quand même pas mal. Quoi. En plus, ce qui est vraiment merveilleux ici, c'est que c'est un magnifique terrain de jeu. On peut être le matin ici en train de rider dès 9h, partir à midi, redescendre. Près de la mer, on peut se faire les oursins, faire du jet, faire du bateau, voilà, et une journée comme ça, c'est extraordinaire. Dans la même journée, on peut enchaîner mer, montagne, admirer le travail des dameurs, quoi, parce qu'ils ont fait quand même pas mal de boulot, hein, c'est pas évident. Hein, pour, ouais, on est sur une station qui n'a pas de canon à neige, qui est 100% neige naturelle, et effectivement, les pistes sont superbes. Donc pour Carvé, c'est pas mal. Hein. Là, une fois qu'elle va être un peu radoucie, on va peut-être pouvoir faire un petit challenge. Hein, essayer ça. Ouais. Hein, pourquoi pas. Hein, Stéphanie. Ah, on va dire merci à Delphine.
Merci à Delphine et à Stéphanie, on la mènera. Merci. Voilà, je suis au pied du téléski du Tarmini, le plus long téléski du domaine skiable de Valdez. Il fait à peu près 1 km de long, il dessert deux pistes, dont une de 1200 mètres. En fait, c'est le plus gros, la plus grosse unité mécanique de Corse. Voilà. On est toujours en Corse du Sud, à Valdez, et on se régale. C'est un temps magnifique, les pistes sont superbes. Donc on va continuer notre petite découverte du domaine skiable. Allez, à plus. Suivez. J'attends que tu vois. Non. À chaque fois c'est toi qui vas en premier, moi je suis. Mais non, c'est moi en premier, moi. Non, et moi, après tu vas nous ralentir. Non, et moi. Bon, bonne surprise, il y a pas mal de riders dans cette station. Il fait au moins 7 ou 8 snowboarders là que je croise. Bon, pas encore de riders alpins, faut pas être trop demandé non plus. Mais non, franchement, ils sont cool. Presque une journée de ride sur toutes les pistes de Valdez. Je dois dire que je suis assez bluffé par ce domaine skiable. Incroyable. On est ici à maximum à 1825 mètres d'altitude. On est à 50 km de la mer. Et franchement, les conditions de neige sont excellentes. On a un temps merveilleux. La route pour venir était calme, il n'y avait personne. L'ambiance est super sereine, c'est calme. Une petite station, comme ils ont bien précisé à l'ancienne, avec un petit papier, je trouve ça super. Ouais, ça c'est vrai que on n'en voit plus beaucoup, hein, des forfaits comme ça. Une ambiance familiale, vraiment détendue. Ouais, la neige est bonne.
La neige, elle est bonne, ouais. Je trouve que pour un ensoleillement c'est bon. De ce type-là, je trouve qu'elle est confortable. Moi, je suis pas un grand rider, hein, mais c'est confortable. On peut, il n'y a pas trop de glace. Bon, là, c'est une petite piste, mais c'est vraiment sympa. La station, c'est un grand parking, un bâtiment technique avec les deux dameuses, un restaurant, la billetterie et le poste de secours. Et on voit donc un téléski assez court, débutant, un autre téléski un peu plus long, autour de 600 mètres, même longueur pour celui-ci, et enfin Tarmini. Le haut du domaine à 1825 mètres d'altitude. Ici à 1800 mètres d'altitude, pas de canon à neige. D'après les locaux, apparemment le lieu est vraiment un site qui conserve la neige. Il y a toujours de la neige ici à Valdez, c'est ce qu'on me dit. Je veux dire que la quantité reste très correcte à cette époque de l'année. Il fait quand même très très chaud l'après-midi. On sait que chez nous, les conditions à cette altitude sont même presque impraticables. Et je dois dire que depuis ce matin, je me régale. Ouais, sur des pistes bien lamées, bien fraisées. Et puis l'après-midi, c'est un peu plus mou, mais franchement, c'est ridable. La dernière perche.
Effectivement, il y a de l'eau, alors ici, il n'y a pas d'électricité. Voilà, c'est un groupe électrogène qui fournit l'électricité pour le fonctionnement des téléskis et le fonctionnement des bâtiments. En revanche, l'été, quand il y a uniquement le centre équestre avec le restaurant, ils ont des panneaux solaires, un parc de batteries et ils sont autonomes au niveau de leur production d'électricité. Parce que sinon, c'est un groupe. Alors le groupe, on ne l'entend pas, on ne voit pas une colonne de fumée noire qui s'élève dans le ciel. Il est plutôt discret. Termine à Valdez, la petite pépite de Corse du Sud, l'unique station du département. Vraiment une belle journée, ouais, c'était sympa. Ensuite, sur l'histoire de Corse, la proximité entre l'histoire d'un village qui était immense, 500 hommes d'armes mobilisables, 2000 hommes payés par le village au 14e, 15e siècle. Et puis donc au carrefour de cette histoire, et puis l'esthétique d'une station incroyable. On voit la mer de la Cuperchiat là-haut, du sommet Cuperchiat, on voit la mer de Scaldasol. Donc Scaldasol, c'est accessible en tire-fesse. Donc au carrefour de l'esthétique et de l'histoire, on est au Valdez, on est au top du top. Et puis il y a du niveau, quoi. Il y a de la technique. On peut bien dire que bien sûr, c'est pas Val Thorens, c'est pas Tignes, mais être capable de descendre la Rouge, la Cuperchiat bien, c'est pas offert à tout le monde, quoi. Il faut de la technique. Il y a de quoi faire un petit spécial là, et qui n'est pas accessible à tout le monde. Il n'y a pas besoin de se barrer à 10 000 bornes pour rêver technique et ski de qualité. Après, ce qu'il nous faut, c'est finalement y croire, de la flexibilité, du soutien administratif, du soutien au niveau de l'État, du soutien au niveau de la région, parce que c'est sûr qu'il y a un aspect investissement. Mais moi, donc, je ne suis qu'un skieur d'ici, hein, mais je trouve que j'ai eu la chance de travailler et de soutenir l'équipe un petit peu cette année. Et ce que je me dis, c'est qu'avec quelques pylônes de plus vers Gizone, quelques pylônes de plus vers Chamanach, on peut ouvrir beaucoup d'autres pistes. Et puis même l'été, il y a tellement de choses à faire à vélo, il y a tellement de choses à faire en courant, s'entraîner, des trails, voilà. Puis il y a des sources. Il y a beaucoup de choses à faire au niveau de l'eau. Pour moi, c'est vraiment un lieu de vie et d'avenir. Mais après, c'est qu'une émotion que j'ai, hein. C'est pas du tout quelque chose d'étudié. Il y a des sources partout là-haut, des sources accessibles. Il y a une montagne qui est hyper accueillante. Il y a des gens qui sont géniaux. Ah, sans lui, il n'y aurait rien. C'est un génie de la neige. Il déplace la neige du bon endroit au bon endroit, et il nous travaille des pistes. Et on espère qu'il neigera la semaine prochaine, parce qu'il est magicien, mais il ne fait pas encore naître la neige.
Thank you.